안녕하십니까? 와, 전 지금 이렇게 객석이랑 텅 비어 있고. Il n'y a personne devant moi. Et je suis très reconnaissant de vous voir à travers les écrans. Et puisque les écrans, les systèmes et les équipements sont très bons, que je peux vous voir très clairement à travers l'écran, est-ce que vous me voyez bien? Ah, mais c'est vrai que je ne peux pas vous entendre. Je suis désolé. Ben c'est vrai que le coronavirus a mis beaucoup de gens dans la peur. Et la Corée, on a presque apaisé le coronavirus, mais ça a repris. C'est pour ça que nous collaborons avec le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Et moi aussi, souvent, j'oublie que je devais porter le masque. En sortant, je reviens pour porter le masque. Mais en tout cas, je suis reconnaissant de pouvoir donner la parole à travers les équipements qu'on a ici, en ligne aussi. Donc c'est vrai que pour vous, on ne paye plus le carburant pour venir jusqu'à l'église pour écouter la parole. Vous restez justement à la maison pour écouter, c'est très bien. Donc en tout cas, aujourd'hui, nous allons voir Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. Voici les jours viennent de l'Éternel où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous avons lu jusqu'au verset 34. Si nous lisons le livre des Jean, Jean chapitre 8, il y a une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme, en commettant l'adultère, elle a été surprise. À votre avis, elle a imaginé qu'elle serait arrêtée? Si elle avait su qu'elle aurait été arrêtée, elle n'aurait pas commis l'adultère. En tout cas, elle était arrêtée, surprise. Et n'avait pas d'autre moyen. Alors, il n'avait pas d'autre choix mais d'être entraîné par les pharisiens. On a craché sur elle, on lui a donné un coup de poing, un coup de pied, on l'a insulté. Et dans une vallée, et quelqu'un a dit, « Moi, je l'ai vu commettre l'adultère. » Et normalement, on devait la lapider. Et la pierre qu'on lance, ça devait casser sa tête, ça casse son visage, elle saigne. Et que la pierre, ça casse les os de cette femme. Et que la pierre va être entassée sur elle et ça va devenir le tombeau. Voilà pourquoi. À l'époque, la femme qui a été surprise en adultère, personne ne pouvait la sauver et personne ne pouvait l'affranchir de cette situation. Mais elle était une femme qui a reçu la grâce spéciale de Dieu. Alors, cette femme, quelqu'un a proposé, on va amener cette femme à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il disait souvent qu'il aime les pécheurs. Alors, si on présente cette femme à Jésus-Christ, est-ce qu'il va dire de la lapider ou pas? S'il dit de la lapider, ça veut dire qu'il est contre la parole et sa parole qu'il aime les pécheurs. Et s'il dit qu'il n'est pas la lapider, il est contre la loi de Moïse, donc il serait pris au piège. Donc, les gens, ils ont amené la femme à Jésus-Christ. Les scribes, ils ont dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. »
Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider telle femme. Et toi, que dis-tu? Mais ce qui est étonnant, c'est que Jésus-Christ a écrit avec son doigt sur la terre. Et beaucoup de biblistes ont dit, qu'est-ce que Jésus-Christ a écrit sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il a écrit? Et beaucoup de gens et beaucoup de biblistes, ils étaient curieux. Alors la Bible dit justement qu'il a écrit avec son doigt sur la terre. Et personne ne sait ce qu'il a écrit sur la terre. Mais ce qui est vraiment étonnant, la Bible coréenne est composée de 1800 pages. Et à force de lire cette Bible, j'ai découvert beaucoup de choses très étonnantes. Et au départ, quand j'ai lu Ancien et Nouveau Testament, une fois, deux fois, je ne comprenais pas. Et même si j'ai lu 10 fois et 20 fois, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas très bien. Mais en lisant la Bible continuellement, des fois, la Bible me répondait. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a écrit avec son doigt sur la terre? Et qu'est-ce qu'il a écrit sur la terre? Ben, tout le monde était curieux. Alors aujourd'hui, nous avons lu Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. On a expliqué la raison ici. Et chapitre 31, verset 31, « Voici les jours viennent de l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, dit l'Éternel. » Et dans le verset 32, « Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. » Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Et dans le verset 33, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Ici, il y a deux lois, deux alliances ici. Chapitre 31, verset 31. Voici les jours viennent de l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ici, l'alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs dénominations. Il y a l'église presbytérienne, il y a l'église méthodiste, il y a l'église baptiste. À part ces trois dénominations, il y a plusieurs dénominations dans ce monde. Et chacun lit la Bible, ils ont leur propre interprétation. Quand on lit la Bible 10 fois, 20 fois, c'est toujours difficile de comprendre la Bible. La plupart des gens, ce qui est le plus important, si on voit les paroles des cantiques, bah, si vous regardez le livre des cantiques, toute dernière page, il y a 10 commandements. Pourquoi dans le livre des cantiques, on a mis 10 commandements? Qui est-ce qui a fait ça? Alors, qu'est-ce qui est important ici? Alors, on pense que si on observe les 10 commandements, on va être béni. Oui, c'est vrai. Alors, avant que Dieu nous donne les 10 commandements, il a demandé au peuple d'Israël, si vous observez toutes mes lois, vous deviendrez la nation des sacrificateurs et vous deviendrez mon peuple. Et si on va à Exode chapitre 19, tout le peuple d'Israël ont dit, oui, on va observer toutes les lois. Alors, chacun d'eux,
ils ont fait la promesse et on appelle cette promesse l'alliance. Et si on va détourner au chapitre 28, on dit si tu observes toutes les lois que je te donne, à ton départ, à ton arrivée, tu seras béni, ta corbeille de pain sera bénie, tes invités seront bénis, tout le monde sera béni et béni et béni. Mais au cas où vous n'observez pas la loi, à votre départ, vous serez maudit, à votre entrée, vous serez maudit, votre corbeille de pain sera bénie, vos invités seront maudits, 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 maudits. Alors si je vous dis, si on observe 10 commandements, on est béni, sinon on est maudit. C'est ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Et de temps en temps, quand j'étais tout petit, mon pasteur venait chez moi, il dit, si vous observez, si tu observes la loi, tu seras béni à ton départ, à ton arrivée, tout le monde sera béni autour de toi. C'est le cas où j'observe la loi. Mais au cas où je n'observe pas la loi, je vais être maudit, n'est-ce pas? Mais dans, sur la terre, il y a combien de personnes qui ont observé la loi? Parfaitement. Répondez-moi. Je ne vous entends pas, mais montrez-moi avec les doigts. Il y a combien de personnes dans ce monde qui ont observé toutes les lois dans ce monde? Personne. Mais toujours, il y a des gens qui font des efforts pour observer la loi. Alors, si vous connaissez la loi dans la Bible, puisque la Bible c'est très large, si vous lisez qu'une partie dans la Bible, peut-être vous pouvez insister que vous avez raison, avec juste une partie de la Bible. Mais au contraire, il regarde d'autres parties et qu'il dit qu'il a raison. Mais on doit rassembler toutes les pièces pour voir exactement. Alors, si on voit Romains chapitre 3, verset 10, il n'y a pas de juste, pas même un seul, n'est-ce pas? C'est certain que dans la Bible, dans Romains chapitre 3, verset 10, il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, mais pas c'est pas qu'il dit qu'il est juste, il est la secte. Si on regarde qu'une partie, c'est comme ça. Alors la Bible dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Oui, c'est la parole de Dieu. Alors si vous recherchez le mot juste dans la Bible, vous allez voir plusieurs versets qui contiennent le mot juste. Dans le livre de Genèse, Noé était juste. Romains chapitre 1, le juste vivra par la foi. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière fervente de juste a une grande efficace. Juste, juste, juste. Il y a plusieurs versets qui contiennent le mot juste. Mais parce que si les gens ne regardent que le verset qui dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul », il va dire « Il n'y a pas de juste dans ce monde ». C'est comme ça qu'ils vont dire. C'est pas entendu dans la Bible. Il n'y a point de juste, pas même un seul, ça existe dans la Bible, mais il y a aussi d'autres versets qui disent « Noé est juste, le juste vivra par la foi ». Même dans le livre des Psaumes, il y a plusieurs versets qui contiennent juste. On ne peut même pas compter le nombre de fois. Alors si vous ne regardez qu'une partie de la Bible, c'est-à-dire il n'y a point de juste, pas même un seul, on va dire il n'y a pas de juste dans ce monde. Mais si, si, ça existe dans le livre des Romains, dans le livre des Genèse, Noé est juste. C'est ce que dit la Bible et Dieu. Alors, pour connaître encore plus précisément, alors pour savoir s'il y a le juste ou pas,
il y a une chose qui est la plus importante. Premièrement, il y a la parole qui dit il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et deuxièmement, il y a le verset qui dit Noé est juste, le juste vivra par la foi. Ça veut dire qu'il y a des justes. Mais il faut encore un autre verset qui peut compléter ces deux versets. Dans la Bible, il y a la méthode. Comment un pécheur devient juste? Alors, si vous apprenez ces trois choses, dans, en ce moment-là, vous allez comprendre le verset qui dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. On est tous pécheurs. » Mais puisqu'il y a le moyen pour un pécheur de devenir juste, ah, lui, il est pécheur, mais il est devenu juste. Si on comprend comme ça, ben, si on comprend comme ça, ça veut dire qu'on va comprendre le verset qui dit « Il n'y a point de juste, il y a de juste. » Mais la majorité des gens, ils lisent juste une partie de la Bible. Dans, par exemple, si, même si on lit la Bible 100 fois, mais on ne peut pas dire qu'on connaît déjà le monde de Dieu entièrement, non. Bah, dire qu'il est la secte parce qu'il est différent de moi, c'est faux, parce que ça montre que c'est lui qui a raison. Voilà pourquoi ce serait bien si on connaît la Bible d'une manière large. Alors si vous pensez à la Bible plus profondément, et quand je dis comme ça, il y a des gens qui disent qu'il dit toujours des choses de la secte. Bah, si c'est la secte, tout le monde est la secte. On doit connaître la Bible, non? Alors, en observant la loi, par l'observation de la loi, est-ce qu'on peut devenir juste? Lorsque Dieu nous a donné deux tables de pierre, les 10 commandements, Dieu a donné ça à Moïse sur le mont Sinaï. Moïse, il est monté à la montagne Sinaï. Dieu il a donné deux tablettes de pierre sur lesquelles a été écrit les 10 commandements. Et Moïse, lorsqu'il voulait descendre, Dieu a dit à Moïse de rester au sommet de la montagne pendant 40 jours. En restant 40 jours, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le temple de Dieu qui était au ciel. Voici le cube d'airain. Voici l'autel. Ça, c'est le table de pain. C'est le chandelier. C'est l'autel des parfums. C'est l'arche. Il a montré en détail. Et ensuite, il a dit à Moïse, que comme je vous ai montré, comme je t'ai montré sur la montagne, tu vas le fabriquer sur la terre. Alors si on arrive à Lévitique chapitre 4, alors si le peuple commet le péché, qui vient à cette arche, à cet autel, il fait l'expiation du péché. Il a expliqué comment donner les sacrifices d'expiation. Bien. Je vais vous poser une question. Dieu, il n'a pas seulement donné deux tables de pierre, des 10 commandements à pierre sur la montagne Sinaï. Pendant 40 jours, Dieu a montré le temple de Dieu à Moïse et qu'il lui a demandé de fabriquer tout ce qu'il a vu sur la montagne, sur la terre. Alors, dans ses deux mains, il a pris deux tables de pierre et dans son cœur, il a gardé le temple de Dieu et qu'il est descendu de la montagne. Et Dieu l'a dit à Moïse, si le peuple d'Israël commet le péché, il faut qu'il donne le sacrifice de l'expiation. C'est ce qu'il a dit. Alors, il va se présenter devant l'autel, devant le sacrificateur. Il vient avec la chèvre,
un mouton, il pose la main sur la victime expiatoire, on met les sangs sur les coins de l'autel, les restes, on va les verser en dessous de l'autel, comme ça le péché va être lavé. Ainsi, on a expliqué dans Lévitique chapitre 4. Lorsqu'un sacrificateur commet le péché, lorsque l'assemblée d'Israël a commis le péché, lorsqu'un chef, lorsqu'un quelqu'un de peuple commet le péché, qu'est-ce qu'il devait faire pour être pardonné du péché? Voilà, donc je vais vous poser une question. Dieu, au peuple d'Israël, lorsque Dieu il a donné deux tablettes de pierre, des 10 commandements, au peuple d'Israël, il a dit, si vous l'observez, vous serez béni. Et le peuple d'Israël, ils ont décidé d'observer la loi, n'est-ce pas? C'est vrai? À votre avis, Dieu, il savait que le peuple d'Israël allait observer la loi ou bien il n'allait pas observer la loi? Oui, il savait qu'il n'allait pas observer la loi. Bah, si Dieu savait que le peuple d'Israël allait observer la loi, il n'a pas besoin de donner le sacrifice d'expiation. Alors, si vous regardez juste une partie d'une façade de la Bible, vous penserez simplement que si j'observe la loi, je vais être béni à mon départ, à mon entrée. Alors, notre pensée va demeurer dans la pensée que si on observe la loi, on va être béni. Mais en réalité, lorsque Moïse est descendu avec deux tables de pierre des 10 commandements, le peuple d'Israël, ils avaient fabriqué le veau d'or. Pourquoi? Parce que ça faisait 40 jours que Moïse est monté à la montagne Sinaï. Et il s'est demandé, est-ce que Moïse peut rester, subsister pendant 40 jours? Non, ce n'est pas possible, il serait déjà mort. On doit fabriquer le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Alors, ils ont fabriqué le veau d'or. Alors, ils ont désobéi à la première et deuxième loi. Tu ne feras pas d'autre Dieu que d'autres dieux. Alors, ce qui est important, si j'ai désobéi à la loi et que j'ai commis le péché, alors dorénavant, si j'observe bien la loi, est-ce que les péchés vont être pardonnés? Désormais, si j'observe bien la loi, est-ce que mes péchés vont être pardonnés? C'est vrai? Non. Ben, si on a désobéi à la loi, ça veut dire qu'on a violé la loi. C'est tout. Dieu dit, si on observe la loi, on va être béni. Alors, il y a beaucoup d'églises dans le dimanche, ils récitent 10 commandements. Mais si nous réfléchissons sur la Bible un peu plus, Moïse, il est descendu avec deux tablettes de pierre. Normalement, on devait l'afficher sur un endroit public pour que tout le monde puisse le voir. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a plutôt caché deux tablettes de pierre dans l'arche. Et ensuite, il a fermé l'arche avec le propitiatoire. Et qu'il a fait en sorte que deux anges soient posés sur le propitiatoire pour que personne ne l'ouvre, ne regardez plus les 10 commandements. Mais Gilliatt, le peuple de Gilliatt, si on voit en Samuel, le peuple d'Israël, pendant qu'ils avaient la guerre contre les Philistins, ils ont perdu l'arche. Et pendant après 3 mois, l'arche est revenue en Israël. Et le peuple de Gilliatt, ils ont regardé le dedans de l'arche. Et en regardant le dedans, l'intérieur de l'arche, ces jours-là, 50 000 personnes ont été tuées. Pourquoi ils sont tués alors qu'ils ont regardé l'intérieur de l'arche? Pourquoi est-ce que Dieu les a tués alors qu'ils avaient regardé justement l'intérieur de l'arche? Pourquoi est-ce que Dieu a fermé l'arche pour que personne ne le voie? Pourquoi? Alors, il ne faut pas regarder juste une partie de la Bible, mais il faut aussi vous voyez tous ensemble. En général, les gens ils ne regardent qu'une partie d'une façade.
Mais si vous regardez la Bible en détail concernant la loi, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans la Bible. Premièrement, nous allons voir Hébreux chapitre 10, verset 1. Est-ce que vous y êtes? Si vous y êtes, je vais lire Hébreux chapitre 10, verset 1. Alors, Hébreux chapitre 10, verset 1. Donc, est-ce que vous voyez tout le monde? Si vous y êtes, nous allons lire tous ensemble. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ici, la loi. Est-ce qu'on dit que la loi est l'exacte représentation des choses ou bien il n'est pas l'exacte représentation des choses? Il n'est pas l'exacte représentation des choses. On dit simplement que la loi possède une ombre des biens à venir, n'est-ce pas? Oui, c'est ça la loi. Alors Dieu, pour que personne ne voie la loi, il les a mis dans l'arche et qu'il a fermé. Mais parce que les gens, ils ont ouvert l'arche et qu'ils ont regardé les 10 commandements, ces jours-là, il a tué 50 070 personnes. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens sont trompés par Satan. Nous croyons en Dieu, en Jésus-Christ. La plupart des gens, ils ont deux pensées. La première pensée, il y a une chose que Jésus-Christ doit faire pour moi. Et une autre chose, c'est qu'il y a une chose que je dois faire pour Dieu, moi-même. Dans notre vie spirituelle, ce que moi je fais pour Jésus-Christ, ça n'a pas de valeur. Ce que Jésus-Christ fait pour nous, c'est ce qui est valorisant. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Mais les gens, ils pensent comment? J'ai désobéi à la loi, mais dorénavant, si j'observe bien la loi, je vais être béni. Ils ont cette pensée très vague. Alors pour nous d'aller au ciel, quelles que soient nos œuvres, par nos bonnes œuvres, on ne pourrait jamais aller au ciel. C'est vrai? La plupart des gens pensent comment? Ils pensent que c'est vrai que j'ai commis le péché, mais si j'observe la loi, si je vais à l'église, si j'aide les autres, je vais être béni. Mais la Bible dit quoi? La raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi possède une ombre de biens à venir. Donc je vais prendre un exemple. Il y a une loi qui dit, tu observeras le sabbat, n'est-ce pas? Pendant 6 jours, vous travaillez, mais pour le 7e jour, vous reposerez. Qu'il soit votre serviteur, votre servante, qu'il soit les voyagers chez vous, il faut qu'ils se reposent, ce qui est écrit dans la loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le sabbat? Parce que Dieu il a créé le ciel et la terre dans 6 jours, et au 7e jour, on doit se reposer. C'est comme ça que les gens pensent. Oui, on doit se reposer au 7e jour. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. La loi possède une ombre des biens à venir. Le sabbat représente quoi? Le sabbat, selon la Bible, ce n'est pas le dimanche. Donc, le sabbat, c'est après le coucher du soleil du vendredi.
jusqu'au coucher du soleil des samedis. Bah, je suis pas l'église, je ne suis pas de l'église des sabbats que je dis ça, mais en général, le sabbat, c'est après le coucher du soleil du vendredi jusqu'au coucher du soleil des samedis. Alors, en Israël, et pour nous, après la minuit, on commence le nouvel jour, on commence le nouveau jour, mais par contre, en Israël, après le coucher du soleil, c'est le nouveau jour. Donc, une journée, c'est après le coucher du soleil jusqu'à le coucher du soleil des lendemains. Et alors, pendant le sabbat, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le serviteur, il porte les bagages et il marche dans la rue. Alors, le vendredi soir, il voit que le soleil est sur la montagne. Ah, c'est presque, le soleil est presque couché. Ah, très bientôt, c'est le sabbat. Alors, quand il voit le soleil, et c'est le soleil se cache derrière la montagne, c'est le sabbat. Lorsque on est le sabbat, qui que vous soyez, quel que soit le bagage et les jeux qu'il porte, il doit les décharger, il doit se soulager de tous les bagages. Alors, la loi, le sabbat, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Au jour des sabbats, on est déchargé de tous les bagages et les joues. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Par la mort de Jésus-Christ, si on revient à Jésus, on sera affranchi des bagages des joues du péché. C'est ce que ça veut dire, c'est ce qui explique. C'est ça, en fait, la vraie sa signification, c'est le vrai sens des sabbats. Jésus-Christ a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est le sabbat qui dit ça. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, parce que le jour des sabbats, on peut se décharger de tous les bagages, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus-Christ allait faire dans l'avenir. C'est une explication, c'est une ombre. Alors, si vous voulez connaître ça un peu plus, si vous lisez en verset, dont nous allons voir Colossiens, après Éphésiens, Philippiens, c'est Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 16. Si vous y êtes, on va lire ensemble. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Pourquoi? Dans le verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, l'ombre peut être l'ombre quand il y a le corps. Sans le corps, sans la véritable image, on ne peut pas avoir l'ombre. Bah, on dit souvent que c'est l'ombre de Pasteur Park, c'est l'ombre de Pasteur Bakijin, c'est l'ombre de Pasteur Kim Jeong. L'ombre peut exister lorsqu'il y a encore. Lorsqu'il y a le vrai image, et là, on peut avoir l'ombre à côté.
Alors la loi, c'est l'ombre des choses, le nombre des biens à venir, mais le corps c'est quoi? C'est en Christ. Dans l'Ancien Testament, dans l'époque de la loi, chaque samedi, du vendredi soir jusqu'au samedi soir, c'est le sabbat. Et dans ces périodes, les serviteurs et les servantes, ils sont soulagés de tous les bagages, c'est le sabbat. Alors pendant le sabbat, on est affranchi de tous les bagages. Alors, mais le vrai sens du sabbat, c'est quoi? C'est que dorénavant, Jésus-Christ va venir, tout comme on est déchargé de tous les joues et tous les bagages pendant le jour des sabbats. Alors, pendant le jour des sabbats, les serviteurs, après qu'ils sont soulagés, ils dansent, ils chantent. De même, grâce à Jésus-Christ, on va être affranchi des joues et bagages des péchés. On va se réjouir. C'est ce que ça veut dire. C'est pour expliquer cela, Dieu nous a donné le sabbat. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qui ne connaissent pas ça, ils pensent que si j'observe le sabbat, je vais être béni, je vais recevoir la grâce. Mais la loi possède une ombre des biens à venir. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Même tuer la chèvre et donner le sacrifice de l'expiation, c'est une ombre. C'est que Jésus-Christ, il va venir mourir sur la croix pour laver les péchés. En tant qu'une ombre, dans l'Ancien Testament, on a tué la chèvre, le mouton, mais c'était pour montrer que Jésus-Christ allait venir et qu'il va mourir sur la croix pour laver nos péchés une fois pour toutes. Alors, à travers grâce, à travers Jésus-Christ, qu'on peut être affranchi du péché parfaitement. Est-ce que ça explique? Alors, si on connaît le cœur de Dieu, si on connaît la Bible, on peut voir ce monde du cœur. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, ils pensent que si j'observe justement le sabbat, je vais être béni. Les gens pensent que si j'observe la loi, je vais être béni. Cependant, la loi, c'est quoi? La loi possède une ombre des choses, ombre des biens à venir. C'est Jésus-Christ. Donc, le sabbat, c'est l'ombre de Jésus-Christ qui va venir pour nous donner, qui va nous donner le repos. Même le sacrifice de l'expiation, c'est l'ombre de Jésus-Christ qui va venir dans le futur pour nous laver le péché. C'est juste l'ombre qui nous montre Jésus-Christ. Alors Colossiens, qu'est-ce qu'il dit? Alors Colossiens, chapitre 2, on dit quoi? Que personne ne juge de vous au sujet de manger et de boire. Il dit, un jour Jésus-Christ viendra. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est ce que dit Jésus-Christ. On peut ainsi affranchir de tous les bagages, tous les joues du péché, et on obtient le repos, le véritable repos. Pour nous expliquer ce véritable repos, Dieu nous a donné le sabbat. Amen. Alors, si vous regardez la Bible en détail, en fait, la Bible, c'est ça. Et il y a une autre chose que je vais regarder. C'est Romains. Nous allons voir Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 19. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains chapitre 3, verset 19? Or, nous savons que tout ce que dit la loi,
Elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, il y a la loi qui dit de ne pas voler, n'est-ce pas? Il y en a? Oui, il y a la loi qui dit de ne pas voler. Alors, entre le vol et la loi qui dit de ne pas voler, qui précède? Laquelle précède l'autre? Est-ce que c'est le vol qui précède ou bien c'est la loi qui précède? C'est le vol qui précède, n'est-ce pas? Quand on dit « tu ne vole pas », ça veut dire qu'il a déjà volé. Il va dire « quand est-ce que j'ai volé ?»« Ne mens pas », ça veut dire qu'il a déjà menti. C'est ça? C'est vrai? Donc écoutez-moi. Est-ce que l'adultère précède la loi ou bien la loi précède l'adultère? C'est l'adultère qui précède, d'accord? Est-ce que le mensonge précède la loi ou bien la loi précède le mensonge? Parce qu'on ment, c'est pour ça que Dieu nous a donné la loi de ne pas mentir, n'est-ce pas? S'il y avait personne qui avait menti, on n'aura pas besoin de la loi de ne pas mentir. Déjà, quand on dit de ne pas mentir, ne pas voler, ça veut dire qu'on avait déjà volé, n'est-ce pas? Quand on dit de ne pas mentir, c'est parce qu'on a déjà menti, c'est pour ça qu'il nous a dit de ne pas mentir, parce qu'on a déjà menti. Déjà, la loi dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne mentiras pas. Et dorénavant, si on observe bien la loi, le péché, le vol que j'ai fait, est-ce que ça va disparaître? Non, ça va rester là, toujours. Désormais, même si j'observe bien la loi, si on désobéit à la loi une fois, même si on observe bien la loi, le péché ne va pas disparaître. C'est pour ça que dans la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Même si vous repentez, même si vous priez, le péché ne va pas disparaître. Alors, si on voit Hébreux chapitre 9, verset 22, on dit « Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Je vais voir en Jean chapitre 1, verset 9. En Jean chapitre 1, verset 9. Ici, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? C'est vrai? Ici, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce qui est écrit. Alors, je vais vous demander une autre chose. Même si Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, si on confesse nos péchés, est-ce qu'on peut être purifié des péchés? Le péché n'est pas lavé par la confession des péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est quoi le salaire du péché? C'est quoi? C'est la mort. Nous allons voir Hébreux chapitre 9, verset 22. Ah, comment Pasteur Park, il sait ces gens des versets et qu'il nous montre? Mais en fait, c'est très important, c'est pour ça que je vous le montre. Hébreux chapitre 9, verset 22. Nous allons voir ce qui est écrit.
Nous allons lire tous ensemble. 1, 2, 3. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion des sang, il n'y a pas de pardon. Nous confessons le péché, oui. Mais Jésus-Christ a versé le sang pour nous parce qu'il est puni à notre place. On confesse le péché, on est pardonné. Si Jésus-Christ n'avait pas versé le sang pour nous, et vous pensez toujours que le péché peut être lavé sans que Jésus-Christ soit mort? Parce que je ne vous entends pas, soit que vous hochez la tête comme ça, ou fait comme ça. Même si Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, si on confesse le péché peut être pardonné? Non, non. Il y a quelqu'un qui fait X. Oui, c'est très bien. Donc, merci d'avoir exprimé bien. En tout cas, sur la croix, nos péchés sont lavés sur la croix. C'est parce que Jésus-Christ a reçu toutes les punitions du péché sur la croix. Ce n'est pas par la confession des péchés que le péché est lavé. Alors, si on confesse le péché, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et versé le sang sur la croix, moi j'ai commis le péché. Ce n'est pas par la confession des péchés que le péché est lavé, mais parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pour ça que le péché est lavé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, hochez la tête comme ça. Pas très bien. Satan, il est très malin. Il nous a trompés. Nous allons voir en Jean chapitre 1. En Jean chapitre 1, verset 7. Nous allons lire tous ensemble. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Voilà pourquoi le fait que je confesse mes péchés, alors pour recevoir le pardon des péchés, tout d'abord on doit se rendre compte qu'on est pécheur, n'est-ce pas? Alors on doit avoir le cœur de vouloir être pardonné. Même si je veux être pardonné du péché, ça n'avait pas dit que je peux être pardonné. Et c'est la solution fondamentale qui lave le péché, c'est à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est à travers ça que le péché est lavé. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, hochez la tête comme ça. Il n'y a personne qui fait comme ça, n'est-ce pas? C'est très bien. Alors, confesser le péché, c'est quoi? Alors, quand on va Lévitique chapitre 4, verset 27, dans les sacrifices d'expiation, si quelqu'un du peuple commet le péché contre l'un des commandements de l'Éternel, dans le verset 28, quand il découvre le péché qu'il a commis, en ce moment-là, il offrira en sacrifice une chèvre femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Alors, donner les sacrifices et l'expiation sans connaître qu'il est pécheur, ça n'a pas de sens. Tout d'abord, il doit se rendre compte qu'il est pécheur. Il doit découvrir le péché qu'il a commis. Et lorsqu'il veut laver le péché, qu'il offre en sacrifice une chèvre et pour le péché qu'il a commis. Alors, qu'est-ce que nous sommes censés faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que je me suis repenti, parce que j'ai confessé les péchés, que mes péchés sont lavés? Non. Quand je découvre que je suis péché, quand je vais recevoir le salut, je vais être pardonné du péché.
parce que le sang de Jésus-Christ a été déjà versé, qu'il a déjà reçu toutes les punitions à notre place, les péchés sont lavés. Alors, nous, ce qu'on doit faire, c'est d'accepter ce que Jésus-Christ a fait dans notre cœur. Alors, vous, j'ai commis beaucoup de péchés, mais Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Si vous découvrez ça, alors si vous découvrez ça, qu'est-ce que vous devez faire ensuite? Vous devez croire que vos péchés sont lavés. C'est en ce moment que c'est accompli dans votre cœur. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils vont à l'église, mais ils sont mal enseignés. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. Alors, si on reçoit le pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ, on devient propre, on devient plus propre, lavé. Jésus-Christ a reçu toutes les punitions du péché à notre place sur la croix, mais si on dit qu'on est pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. C'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Jésus-Christ, il a reçu toutes les punitions du péché qu'on devait recevoir et qu'il est mort sur la croix. Je découvre que je suis pécheur et que par mes propres efforts, je ne peux pas être lavé du péché. Et quand je découvre que Jésus-Christ a déjà reçu toutes les punitions, il a lavé tous mes péchés. Alors Dieu, il regarde la croix de Jésus-Christ. Il nous a déclaré juste. Amen. Alors, si on croit à la parole de Dieu, si on croit à la parole de Dieu, est-ce qu'on est juste ou on est pécheur? Qu'est-ce qui est vrai? Répondez-moi. Lequel est vrai? On est juste ou on est pécheur? Jésus-Christ est mort sur la croix, mais si on est toujours demeuré pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais il n'a pas pu laver nos péchés. C'est moquer de la croix de Jésus-Christ. C'est insulter, critiquer la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ sur la croix, si on découvre qu'on est pécheur, et si on découvre que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, si on croit, nos péchés sont lavés. Bah, devant moi, il y a plusieurs personnes que je vois sur l'écran. Bah, je ne sais pas combien de personnes sont en train de regarder le sermon. Il y a combien de personnes? 400 000 personnes. Pour l'instant, 400 000 personnes sont en train de regarder les sermons. Seulement en Corée. Actuellement, en Corée, 400 000 personnes sont en train de regarder les sermons. Alors que devant moi, sur l'écran, je vois qu'une centaine de personnes seulement. Dans tous les 400 000 personnes, ils ont commis le péché. Ah, j'ai commis le péché. Ils regrettent. Il prie également à Dieu que Dieu pardonne-moi les péchés. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, nos péchés sont lavés, ce qui est écrit dans la Bible. Si Jésus-Christ dit qu'il a lavé les péchés, mais si on dit qu'on est pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais il n'a pas lavé mes péchés. C'est ce que ça veut dire. Autrement dit, la croix de Jésus-Christ, c'est comme se moquer de la croix de Jésus-Christ. C'est blâmer la croix de Jésus-Christ. Alors, pour connaître ces versets un peu plus en détail, nous allons voir Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 23. Lisons tous ensemble. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu.
Et verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cette année, en raison du coronavirus, je ne peux pas aller à l'étranger, mais j'étais allé à l'étranger avant février. Avant février 2020, j'ai fait le séminaire dans 4 pays en Amérique du Sud. Et quand je vais dans un pays, dans une ville, il y a des milliers de pasteurs qui viennent. Il y a le pasteur baptiste, presbytérien, et surtout aux États-Unis, la dénomination la plus grande, c'est l'Église des dieux et l'Assemblée des dieux. Et en mai dernier, la prédication que j'avais donnée, on a diffusé ces sermons par 276 stations de télé et des radios. Et en ce moment-là, plus d'un milliard de personnes ont écouté mon sermon. Donc tous les pasteurs du monde entier, après avoir écouté mes sermons, il n'y avait aucun pasteur qui disait que c'était la secte. Personne. Tout le monde disait que on ne savait pas ces paroles, on ne connaissait pas. Alors actuellement, seulement les pasteurs qui sont avec nous, à peu près 420 000 pasteurs sont avec nous, qui travaillent avec nous. Et cette année, en mai, j'ai prêché 11 fois la prédication de 90 minutes. Et ces sermons étaient pour les gens qui étaient en train de mourir en raison du coronavirus. Et j'avais prêché ces paroles pour donner l'espoir aux gens qui sont en train de mourir du coronavirus. Au départ, je me demandais qui est-ce qui va diffuser mon serment puisqu'on va pas payer, on ne paye pas. Et seulement, j'ai prêché la parole pour consoler, pour donner la paix à ceux qui souffrent du coronavirus. Et le premier soir du séminaire, la personne qui était en charge de l'organisation de ce séminaire, il a dit que 130 millions de personnes suivent le séminaire. Et avant le séminaire en mai, on a fait le culte des Pâques en avril et que 2 millions de personnes étaient présentes au culte. Moi, je n'y croyais pas. Et à l'époque, on avait prêché, traduit dans 5 langues, espagnol, anglais, français, chinois, russe. Et dans mon église, il y a une sœur qui traduisait en espagnol et m'a dit, « Pasteur, aujourd'hui, parce que tu as prêché et que moi j'ai traduit en espagnol. » Aujourd'hui, plus de 5000 commentaires étaient postés qui dit qu'ils ont reçu le salut à travers les sermons d'aujourd'hui. Donc, y compris l'anglais, chinois, dont 2 millions de personnes étaient présentes au séminaire, au culte. Ils ont publié le commentaire en disant que c'est aujourd'hui que j'ai reçu le salut en écoutant la parole. Et ensuite, la plus grande chaîne chrétienne des États-Unis, c'est CTN. Et je prêche pendant un an via cette chaîne américaine chrétienne. Les pasteurs du monde entier, ils veulent apprendre la parole. Ils sont avec nous aussi. Il y a quelques années, j'avais présidé le sermon au stade de Mandela en Ouganda pour le nouvel an. Et en ce moment-là, 100 000 personnes étaient venues et la plupart des gens, ils ont reçu le salut. Et le pasteur qui avait organisé cet événement-là, il m'a dit, « Pasteur, dites-moi, je vais faire tout pour toi. » Et cette année, il m'a encore appelé.
Il a dit, bah, cette année, tu dois prêcher pendant 2 jours. Je ne sais pas comment le coronavirus, ça va persister. Mais si ça marche, je vais prêcher en Ouganda en fin de cette année. En Ouganda, au Togo, en Tanzanie aussi. Seulement des milliers de pasteurs se réunissent pour écouter la parole. Bah, c'est vrai que moi, je ne connais pas très bien la Bible. En 1962, j'ai reçu le salut et j'ai lu la Bible. Bah, après avoir lu la Bible 30 fois, j'ai commencé à comprendre en gros de quoi il s'agissait la Bible. Et quand j'ai étudié et étudié la Bible, c'était certain que dans la Bible, le sang de Jésus-Christ lavait tous nos péchés. Alors si on revoit Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Une fois, je suis allé en Éthiopie. Ben, un président de l'université m'a appelé. Ben, je lui ai demandé comment il a su mon numéro de téléphone. Il dit, ben, qu'est-ce qu'on m'a donné? Donc, alors j'ai demandé pourquoi tu m'as appelé. Et il dit, là où je suis actuellement pour aller jusqu'à la ville capitale où vous êtes, ça prend 8 heures en voiture. Et si je pars maintenant en voiture, ça prend 8 heures. Mais est-ce que vous allez me rencontrer? Est-ce que vous serez disponible pour me recevoir? Alors je lui ai dit, oui, bien sûr, venez. Alors il est venu. Alors je parlais de Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il a dit, bah, je connais cette parole très bien. Et je lui ai demandé s'il a lu verset 24. Il a dit oui. Mais il dit, bah, si je prie beaucoup, mes péchés vont être pardonnés. Alors je lui ai dit, ces jours-là, je lui dis, being justified. Je dis, ils sont gratuitement justifiés. Dans la Bible coréenne, le verset 24, c'est écrit comment? On dit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par sa grâce, ils sont gratuitement justifiés. C'est écrit comme ça. Mais dans la Bible anglaise, il est écrit comment? On dit d'abord, ils sont gratuitement justifiés, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. D'abord, on dit qu'ils sont justifiés et ensuite on explique la raison, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors j'ai dit au président de l'université, ils sont justifiés, being justified. Il était choqué, il était le président de l'université. Il connaissait très bien Romains chapitre 3, verset 23. Mais il y a presque personne qui connaît verset 24. Verset 23, on dit qu'à tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans le verset 24, on dit qu'on est juste. C'est vrai, il est écrit qu'on est juste. Dans le verset 24, il est écrit qu'on est juste. Ouvrez verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous a dit qu'on est juste. Il nous a justifiés. Peu importe le péché que vous avez commis, si Dieu vous a justifié, vous êtes justifié. Dans le verset 23, il n'y a pas de Jésus-Christ. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ben, en fait, dans le verset 23, on ne peut pas trouver Jésus-Christ. Selon verset 23, c'est sûr qu'on est pécheur. Mais dans le verset 24, on voit il y a Jésus-Christ dans le verset 24. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans le verset 24? Il a lavé tous nos péchés. Par le moyen de la rédemption qu'il y a en Jésus-Christ. Gratuitement, ils sont justifiés. Alors Dieu nous a justifiés. Et moi, je suis justifié par Dieu. Alors,
Si c'est Dieu qui m'a justifié, je suis justifié. Une fois, je suis allé en Dominique, République des Dominiques, et j'ai rencontré des pasteurs. Il y avait des milliers de pasteurs qui étaient assis pour écouter ma parole. Alors quand je vais dans un pays, je prêche la parole aux pasteurs. L'année dernière, je suis allé en Tanzanie et je prêchais la parole. Il y avait à peu près 2000 pasteurs qui étaient venus. Alors on avait préparé 2000 chaises. Il y avait plus de personnes, du coup la salle était remplie. Et pendant que je prêchais, il y avait un pasteur qui était assis au milieu. Soudainement, 50 pasteurs, à peu près 50 de pasteurs se sont levés et ils commençaient à danser. Parce qu'ils étaient très comblés de joie, parce qu'ils ont reçu le salut, ils ont dansé. Pour la Corée du Sud, même si on est très content, on ne danse pas, mais en Afrique, parce qu'ils ont reçu le salut, ils étaient très joyeux, ils dansaient. Parmi les pasteurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu le salut. Ils veulent conduire les fidèles, mais parce qu'il est lui-même pécheur. Satan. Selon Romains chapitre 3, verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais selon verset 24, on est juste. Satan, il a couvé nos yeux. Alors la plupart des gens, ils connaissent bien verset 23. Mais il n'y a presque personne qui connaisse verset 24. Selon verset 23, c'est certain qu'on est pécheur, mais dans le verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, il nous a rachetés. Vous savez très bien que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, n'est-ce pas? Oui, vous savez. Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais pourquoi est-ce qu'on est pécheur? Si on est pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. C'est moquer de Jésus-Christ, c'est blâmer Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, en ce moment-là, vous n'étiez pas encore né. Mais vos péchés sont déjà payés. Nous sommes nés 2000 ans après. Mais il y a 2000 ans, le sang de Jésus-Christ qui a été versé il y a 2000 ans, ce sang a lavé nos péchés aussi blancs que la neige. Amen. On chante toujours. On chante comment? Par le sang de Jésus-Christ, on est lavé. On chante comme ça, mais quand on va à l'église, on dit, « Seigneur, je suis pécheur. Pardonnez-moi. » Quand on chante, on dit le jeu joyeux, le jeu où Dieu m'a sauvé. Mais après avoir chanté, il dit aux dieux, je suis péché, Seigneur. Ça n'a pas de sens, non? Donc ce qui lave nos péchés, ce n'est pas nos efforts, mais il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus-Christ qui lave nos péchés. Et vous tous qui écoutez la parole, en ligne, vos péchés sont lavés, sont payés sur la croix de Jésus-Christ. Et Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'au verset 34, c'est la nouvelle alliance. C'est quoi la nouvelle alliance? Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors selon cette promesse, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a lavé tous nos péchés. Mais si vous dites jusqu'à maintenant, si vous dites toujours que vous êtes pécheur, ça veut dire que vous êtes contre Jésus-Christ. Maintenant, soyez reconnaissant que vos péchés sont lavés. Donc, je vais terminer là. On va continuer ce soir. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. On était tous péchés. Mais le sang de Jésus-Christ sur la croix a lavé tous nos péchés. Je t'en remercie. Il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui sont pécheurs. Seigneur, pour que nous puissions affranchir tous les gens qui sont plongés dans le péché. Et j'espère qu'ils recevront le pardon des péchés et qu'ils adoreront Dieu avec la joie. Merci Seigneur.
bénis le camp d'été, la retraite. Que la grâce des dieux soit avec tout le monde ici. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.